On a hâte d'y être. Hein. Bon, là, on a un petit moment pour la préparer. On a un bon petit mois de préparation. Ça va être difficile, mais je pense que c'est ça qui va nous lancer pour cette compétition et naturellement de faire un très bon résultat là-bas et de montrer aux gens qu'ils n'ont pas tort de nous suivre. Dans un état d'esprit, on va dire, d'ambition. Je pense que ce soit le sélectionneur, le staff technique, les joueuses, on a envie de partir là-bas pour décrocher un titre ou du moins pouvoir défendre le titre en atteignant la finale et progressant par rapport aux années précédentes en atteignant la finale, chose qu'on n'a pas faite sur la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. On est sereine, mais on va préparer tranquillement cet Euro. On a forcément à cœur de remporter ce premier titre avec l'équipe nationale. Ce serait magnifique pour le football féminin, mais aussi pour le football français. Je pense qu'il manque vraiment ça, en tout cas à notre équipe, de concrétiser un petit peu tous les efforts qu'on a fait ces dernières années. Waouh ! Qu'est-ce que ça représenterait ? Ça serait quelque chose de bien. Déjà pour nous, individuellement, en tant que joueuse, en tant que femme. L'expérience est très importante pour l'Euro et elle nous servira certainement. Bien évidemment, les mots ne suffisent pas pour remporter des titres. Et on sait que le plus important, c'est sur le terrain. Ça va être la solidarité. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on remporte une compétition. Et c'est sûr que le groupe va être très important pour remporter ce premier titre avec la France.